Salut, station fréquence, les monsieur 13 à côté à vous tous de la part de Dindy 33 pour le QSO La Sénat du canal 27. Alors on est samedi 1er octobre 2016. Alors est-ce qu'il y a du monde en fréquence? Ouais, waouh, Roger Bip, en avant. Bon ben le Roger Bip, les bonnes 73-51 à toi. Oui, les bonnes 73 de la part de Dindy 33, 14 ODR 002, QTH Sainte-Colombe. Les bonnes 73-51, l'opérateur Claudie, 14 ODR 016, QTH, j'arrive sur Puisseguin. 73, Rémi. Les 73... Attends, il m'a coupé la chic. Eh, hey, t'aurais pas pu arriver plus tôt, chier trois coups. Nous avons Claudie, 14 ODR 016 avec nous, les bonnes 73 à toi. Ah putain, ça y est, pour le coup, il m'a tellement coupé la chic que j'ai oublié Belphégor. Ok, bon j'ai monté de deux crans là de mon côté, c'est du 52 là de mon côté. Là ça, superbe radio, une très bonne radio et un signal de 2. Justement par rapport au signal, la radio est vraiment très bonne. Hein. Ouais, tu vois c'est très dur là, je te reçois très petit. Hein. Et pourtant je suis avec le décamétrique et le vice de premier. Non, c'est okay. très dur. Pas de probable, c'est pas évident. Voilà, retour Rémi. Ok Belphégor, je valide ton passage dans le QSO, il n'y a pas de problème. Retour Claudie. Oui, ben Claudie se promène hein, depuis cet après-midi là, il se promène tranquille. Alors il passe devant les bars, il regarde les terrasses, à 6-3 coups. Ah là je suis sorti plus ce gars. Ok Claudie, alors justement, tu tombes bien, j'ai une question à te poser. Vendredi et samedi prochain, ou uniquement samedi prochain, comme tu le voudras, qu'est-ce que tu fais? Alors ça, c'est une bonne question, et là, de mémoire, je vois pas. Quelque chose à proposer? Oui. Ah, j'ai repris le micro un peu vite, enregistré le break derrière. Oui, il y a Didier 012 là qui arrive samedi pour repartir dimanche. Donc normalement, logiquement, il devrait participer au QSO de samedi soir. À chaque fois, il essaie de nous attraper depuis son département, depuis l'Aveyron. Et il a du mal à nous avoir et tout, ceci, cela, on n'arrive pas à l'entendre ou c'est très compliqué. Là, pour une fois qu'il sera sur la région, eh bien, autant qu'il en profite, hachi. Et si tu es des nôtres, tu sais ce qu'on dit, plus on est de fous, plus on rit. Et en plus, pour peu qu'il y ait un Belge dans le coin, ça risque de sortir la frite. Ouais, éventuellement, je peux voir ce que je peux faire. Ok. D'accord, ça marche. Il y a eu un break, il me semble, en avant le break. Ah, c'est peut-être un petit coup de propague. Alors, les stations en fréquence pour le QSO national du canal 27, en avant. Il nous faut une farce ou quoi ce soir? Là, je sais pas ce qui se passe, moi je suis dans le brouillard, hachis. Ouais, et puis moi dans les QRM, hachis. Alors, oui, il y a une station là qui a parlé un instant. Attends, deux secondes. Ok, voilà, il y a une station qui a parlé à l'instant, les bandes 73-51 de la part de Dindy 33 QTH Sainte-Colombe, pas très loin de Saint-Émilion, en compagnie de Claudie 14 ODR 016 pour le QSO national du canal 27.
J'ai bien entendu quelqu'un parler là derrière, mais c'est vraiment très 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 QRP, c'est complètement inaudible de mon côté. J'ai encore pas mal de bruit là, de propague là de mon côté, ce qui fait que ça couvre pas mal. Bon, je sais même pas si c'était pour nous. Ok, alors comme ça tu te promènes, Claudie? Affirmatif, oui, affirmatif, hein. Je m'ennuyais, donc je dis allez hop, on est parti. Ah ben t'as bien raison. Oui, ah zut, est-ce que c'est encore la propague que j'ai entendue ou pas? Ouais, c'est encore la propague. Ok, tiens, c'est un petit peu diesel ce soir, on dirait. Hein. Moi de mon côté, j'ai le TX qui est allumé là, depuis mon départ, et puis rien. Hein. J'ai un petit peu de propague, un coup de propague là, je veux dire de 10 minutes sur le 555, mais c'était Espagnol-Italie, donc j'ai pas répondu. Mais sinon rien, c'est muet. Hein. Alors par contre cet après-midi c'était pas muet du tout. Hein. Putain la vache, là il y a eu de la propague. Hein. Puisque j'étais au pro, bon, j'ai eu l'occasion d'aller un petit peu là, dans le push là, pour voir un petit peu ça. Et j'ai vite fait avec le téléphone de faire là, une micro-vidéo là, qui est sur le groupe. Hein. Ouais, 100% que ça, j'ai vu la vidéo. Et ce matin, surprise aussi sur le 19. Hein. Pareil, hein, j'allais voir comme ça sur le 19, là, dans le push. Putain, j'entends parler, j'entends une YL et tout ça. J'aurais bien aimé l'avoir avec dans la vidéo, mais bon, surtout qu'elle était bien partie dans la déconnade, puisque apparemment, il y en a qui ont dû la charrier avant ça, jusqu'à parler de ce tan en brune, hachi. Ouais, t'as raté ça encore, oh là 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 là. Ah ouais, ça déconne plein tube, là. Bon, alors, les stations derrière, ça fait là déjà 8 minutes que le QSO est commencé. Bon, c'est pas grave du tout, mais bon, si ça pouvait s'agiter un petit peu, ça serait pas mal. Putain, quand j'ai dit agité, je pensais pas à ce point-là. Les 73, Thierry, hier soir, tu m'as intrigué sur deux trucs. Hein. On y reviendra après. Et on a la visite surprise de Claudie, là, ce soir. J'étais pas du tout au courant. Retour sur Claudie. Oui, 73, Thierry, le Coyote, 14-0-16, l'opérateur Claudie, je viens de passer le Dodan, si tu n'avais pas vu celui-là, Hachi. À 130 mètres du point Mairie. Centre de Claudie, centre à toi, voilà. Thierry, voilà, 14 Tango Charlie 0, 33, voilà, voilà, voilà. Coyote, coyote, attention, attention, l'Africa, c'est le coyote, voilà, voilà. Alors, ça passe bien, ouais. Ah, tu passes bien, là, mais tu es du côté d'où, là, j'ai pas compris. Je suis sur le QTH de Sainte-Colombe, je viens de passer la mairie là. Ah, Sainte-Colombe, ouais, on n'est pas loin. Oh, on n'est pas loin du tout, voilà, voilà. C'est pour ça. Putain, chanter quelqu'un qui marchait sur la tête, tu m'étonnes. C'est de plus 40 là, ici en bas. Hein. Et encore là, je suis vraiment QRP, je suis avec juste la puissance du TX. Hein. Plus 50! Oh la vache! Non, même pas. Il y a quoi? Il y a une forêt qui nous sépare, là, c'est tout. Hein. C'est, lui, il est sur le haut, moi, je suis en bas, voilà, c'est tout. Hein. C'est tout ce qu'il y a, quoi. Donc, je dirais peut-être 1 km à vol d'oiseau, quoi. Là, pas plus. Hein. Ouais, il y a peut-être une seule ligne qui n'a pas été enlevée, mais bon, à part ça, ça passe.
Ouais, tu vois, j'ai mon YL là, qui me dit en plus, par la route, il y a 1 km déjà. Alors, un vol d'oiseau, il y a moins que ça, quoi. Il doit y avoir peut-être 600 mètres. 10 mètres, 10 mètres. C'est peut-être dangereux, même de moduler trop près comme ça. C'est peut-être même dangereux pour les postes. Ok, Claudie vient de mesurer, il y a 10 mètres de là où il est, au QRA. Ah, chi. Avec la voir, les postes, ils vont fumer bientôt. Putain, oui, il aurait dû le prévenir plus tôt, parce que là, pour le coup, j'ai baissé, quoi. Dis-moi, juste pour information, pour un petit coucou, je défonce la chaîne ou pas? Oh putain, oui. Attends, je t'envoie la portière. Hachi, j'ai mis la chaîne. Elle arrive. J'y pensais plus, quoi. Oui, j'ai entendu quelque chose très QRP là derrière. Les modes 73 de la station en avant. Non, c'est de la propague. Ouais, Thierry, hier tu m'as parlé du groupe. Et comme je sais pas qui. C'est con ce que je veux dire, mais je sais pas qui. Enfin, je connais pas toutes les personnes qui sont sur le groupe. Mais tu y es aussi sur le groupe ou tu y es pas encore? Ouais, excuse, Facebook, c'est de ma faute. Division 14 ODR. Ouais, et alors, oui, je te parlais, oui, mais du gars qui mettait en vente un 450 et puis un TS 2000, là, c'est ça? Ouais, affirmatif. Et justement, là où t'as piqué ma curiosité, c'est si toi, tu étais aussi dans le groupe. Mais moi, je reçois des publications de certaines personnes qui publient sur Facebook, je reçois. Ah ok, d'accord, non, parce que si tu veux rentrer dans le groupe, il n'y a pas de problème, hein, la porte est ouverte à tout le monde. Hein. Non, mais c'est pas de rentrer, déjà je sais pas comment faut faire, j'en sais rien du tout. Alors là, voilà, c'est comment il s'appelle, Eric qui m'avait montré, il fallait se mettre sur ça, voilà, et bon, je sais pas comment je sais, j'en sais rien, j'y connais rien du... Moi j'y connais rien. Moi c'est l'ordinateur, c'est pas moi... Moi l'ordinateur j'y connais rien. Mais là mais comme je regarde Facebook et je vois qu'il y en a qui publie des trucs, c'est comme toi, t'en publies tout ce que tu publies là, salut vieille branche. Ok, sinon c'est facile, hein. Je crois que là ça doit être juste en dessous là, du bandeau, là, les ondes de routier, voilà, je suis en train de chercher en plus. Tu dois avoir un bouton avec marqué demande d'ajout ou ajouter au groupe, un truc comme ça. Et moi je te valide aussitôt, il n'y a pas de problème. Hein. Oui, mais moi je sais pas faire ça, tu vois, là, mais moi je touche pas parce que l'ordinateur déjà, pourquoi moi je m'en sers comme ça juste pour Facebook, voir le bon coin, truc comme ça. Après, je sais pas faire, là, après d'aller dans les groupes, comme ils disent, papier collé, je n'y connais rien à ça, je n'y connais que dalle, puis ça m'intéresse pas, l'ordinateur m'intéresse pas. Voilà, non mais je vois comme ça, ouais, je ferais que je le fasse, mais bon, mais là, ça, ouais, bah, attends, parce que là, tu vois, si je me mets sur groupe, je vois marqué Division 14 ODR, voilà, je clique dessus, voilà, je vois marqué, oui, les ordres routiers, voilà, puis après, qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué discussion, membre, événement, photo, fichier, voilà, après, je sais pas. Mais... Oui, entendu, c'est le break. T'as pas un bouton avec marqué ajouter ou demande d'ajout ou quelque chose comme ça? Ah oui, puis en plus moi je suis connecté dessus, donc ce bouton je vois plus, je vois pas. Y a pas un truc qui te proposerait d'être ajouté au groupe? Ah mais non, il y a marqué, je vois marqué les ordres routiers, ouais, avec la photo, avec les postes, tout le bordel, j'ai pas tout dire qu'il y a. Et après en dessous, il y a marqué discussion, membre, événement, photo, fichier, après.
frère après. Voilà, voilà, non, mais quand Eric passera, voilà, il le fera, voilà, voilà, parce que là, je connais rien. Voilà, voilà, bon, on va laisser entrer le break, je pense que c'est Eric, voilà, 73, Eric, voilà, je te repasse le microphone. Ouais, prestation. Oui, en avant le break, les bancs 73 de la part du groupe du QSO national du canal 27 du Sud-Ouest. Ouais, bonsoir les stations, excusez-moi, c'est là le QSO national? Non, il y a la porte à côté, tu changes de fréquence. Non, non, tu t'es trompé de porte, c'est la porte d'à côté, Hachi, les bancs 73, Eric. Bonsoir, moi c'est Georges. Ouais, moi c'est Maggie. Bonne place à tous. Qui est con? 73 Eric. T'as entendu Eric? Ok, je vous ai très très mal ce soir. Ah, il y a une personne qui a dit 73, pourtant il est fort. Il est fort, il est fort, il est pas loin. Bon, bah alors on recommence. 73 Eric, ouvre les pavillons, puis là, t'entendras mieux. Oh, je connais cette voix, comment vas-tu? 73-51 à toi. Ah bah écoute, moi je vais bien, je suis en balade, hein. Tu penses à qui là? Et tu veux faire un petit tour au pays? Si c'est le petit tour au pays, je crois que je me suis légèrement trompé de direction. Je suis pas dans la région du tout, là je suis en Belgique, je suis division, division 16. Non, je suis juste un petit peu loin quand même. Hein. On va dire, oui, juste à côté de chez Rémi. Ouais. Bah tiens, il est en train de faire un coucou là, à la caméra. Coucou, tu verras ça sur la vidéo. Je sais pas où tu me dis. Tu verras le Rémi. Qui c'est celui-là? Hein? Rémi, c'est qui celui-là? Non, non, en plus, je connais pas son QRA, je connais juste la Brie de Jardin. Salut, ça vaut ça, hein. La Belgique, une frite. Ouais, ok, d'accord, on fait QSY sur le 27-270, Lima Sierra Bravo. Ok, c'est parti, 73, Thierry. Ok, vas-y. La route. Ok, pour 14ODR016. Voilà, et le jovi que t'as pas trop écrit, ouais, monsieur Jordan. Oui, la station, les bandes 73, j'ai pas reconnu la modulation. Oui, moi je s'entends, moi je vous attends bien, là. Ok, les bandes 73-51 de la part du groupe là, du QSO du canal 27 du Sud-Ouest. Voilà, pour ma part, c'est Dandy 33. Ok, c'est Dandy 33. Ici, c'est la même logique, la même logique. Ouais, je me suis fait avoir. Ouais, c'est après que j'ai compris, je me suis fait avoir. Aïe, aïe, aïe. Ah là là là, c'est vrai, t'entends pas là? Ah là, je te rappelle, toi. Oh, enculé, ça va plus, là. Et Bordeaux, on va
connu, c'est l'Alta Appel. Bah, ça passe un peu moins fort chez moi, là, mais ça va, hein, c'est nickel. Hein, voilà. Rémi, c'est pareil, comme d'habitude. Puis on va que le dire forcément, parce que j'ai l'impression qu'il utilise un petit peu les mêmes aériens. Donc forcément, ça marche bien. Non, pas de soucis, ça passe, ça passe. Écoute, bah, viens sur la colline. Non, négatif, moi j'utilise pas le même aérien que Dundu. Hein. J'ai mis mon bâton de bambou et puis je suis branché comme ça. Hein. Directement branché sur le fil à linge. Ah oui, tout à fait. Tu sais, les séchoirs parapluies là, c'est multibande, ça marche très bien. Ça rigole, mais si ça se trouve, ça résonne sur quelques bandes intéressantes, faudrait essayer. Qui sait, Hachi. Affirmatif, on est tous les deux dans la même merde. Ah oui, je vois. Alors la merde d'où il parle, bah moi, ouais, ça doit être ça à mon avis. Écoutez, parce que pour moi c'est pas la peine. Voilà, et puis si que ça va mieux, je me remets chez toi. Ok, y a pas de souci. La tour de contrôle. Demande si la tour de contrôle est là. Alors, est-ce que la tour de contrôle est parmi nous? Attention, les stations fréquences pour les QSO nationales du canal 27, en avant. Oui, bonne 73 à toi, mon ami asthmatique. Est-ce que ton installation d'antenne s'est terminée? Est-ce que tu as réussi à la sortie de la QRM dans laquelle elle était? Non, affirmatif, je l'ai déplacé, je l'ai complètement réglé, tout nettoyé, impeccable, et j'en ai monté une deuxième. J'en ai une deuxième de l'autre côté de la maison. Et de temps en temps, je change et je sens la différence entre la GP27 5/8 radio en cours et puis la GPE27 5/8. Donc celles-là sont radiantes. D'accord, ouais. Laquelle te donne les meilleurs résultats? Alors ça dépend de la propagation, je veux dire, ça dépend comment elle tourne. Si je fais l'Italie, Espagne et ainsi de suite, c'est la GPE27, non, c'est la GP27 5/8 à radio en cours. Par contre, si la propague tourne sur la Belgique et ainsi de suite, ça sera l'autre. Ah, ok, ok. Bah, ça peut dépendre aussi de par rapport à la maison. C'est vrai que je ne sais pas si tu as des parties métalliques, une charpente métallique ou des choses comme ça qui peut aussi jouer là-dessus. Mais d'accord, ok. Bah, au moins, comme ça, tu es équipé, quel que soit le cas, tu as ce qu'il faut. Il manque plus que la directive, hein, non? Oh, mais je me sers des deux verticales un petit peu comme directive, puis je te dis, ça dépend de la propague. De temps en temps, je sors même le dipôle. Donc, le dipôle, c'est quand je vais dans les champs, ça. Hein, je tourne directement, vu qu'il est directif. Donc, je m'en sers comme antenne directive et ça marche plutôt bien. Oui. Ok. Mais c'est bien tout ça. Mais ça fait plaisir de t'entendre dans le coin. Écoute, ouais, ça fait. Croire que Bip est passé par là. J'ai bien l'impression, oui. Non, mais sinon, mon petit Ludo, je suis, tu sais bien que je suis l'actualité des vidéos et ainsi de suite. Le livreur de pizza est en retard aujourd'hui? Non, ce soir c'est des burritos. Voilà. Préparation est un peu plus calibrée, voilà.
fait, ce qu'il y a ce soir, attendre la livraison ou quoi, c'était, voilà, on en a fini à l'heure. Quoi que, ben non, je suis étonné de pas l'heure, parce que je suis arrivé à quoi, il était 15h20, donc je suis une connerie. Non, mais, non, mais c'est le temps de coucher le petit loup et tout ça, parce qu'il faut bien ce qu'il faut lire une histoire, etc. Donc, c'est pour ça, voilà. Ok, donc l'histoire de Burritos, c'est dans la boîte, et puis... c'est le cas de le dire. Ouais, c'est dans la boîte, comme tu dis, et puis on prend note, hein. Donc quand on est en retard, c'est Burritos, et qu'on a le temps, c'est pizza. En général, c'est pizza quand on a la flemme, les Burritos, c'est quand on a un peu plus le temps. Et si tu reviens la semaine prochaine, je sais pas, ce sera peut-être croque monsieur, tiens, voilà, donc... Pour la vidéo de la semaine prochaine, voilà les menus du samedi soir de la station de l'U33. Ok, 100% que ça, bah écoute, tu m'en feras deux, hein, je passerai vite. Hein. Ah bah y'a pas de problème, si t'en manges que deux, c'est pas beaucoup, hein, dis donc. Moi c'est trois, hein. Tu vois, le premier je le mange nature, le deuxième je mets de la moutarde dedans, et le troisième je mets de la harissa. Non, tout nature, moi, juste jambon, fromage, et puis c'est tout. Hein. À sec. Ah moi j'aime bien les agrémenter un peu de sauce. Avec la mayonnaise aussi c'est pas mal mais c'est un peu gras. faut être franc, c'est un peu gras. Mais c'est bon la mayonnaise, tu sais parce que tu racontes. C'est du lubrifiant. C'est oui, en plus, tu sais nous les Belges, sur les frites, on met beaucoup de mayo, parce que si la frite n'a pas de mayo, on peut pas aller à la piscine. Attends, je suis pas sûr que... Qu'est-ce qui t'a fait pour manger le Rémi ce soir? Attends, il ressort de sa crise d'asthme, là. C'est ça, faut pas trop raconter de conneries, là, pour... Ah, mais d'ailleurs, tu dis conneries, c'est pas Rémi qui fait à manger, c'est la voix des ondes. Ah, bah écoute, ça, je sais pas, hein. On va dire que oui, elle est en train de me regarder d'un air bizarre, je veux pas me faire taper. Ça va être la voix des QRN tout à l'heure. Bon, on saura pas, ça se trouve c'est pizza, hein. Ils se sont fait livrer des pizzas, quoique je sais pas, à Sainte-Colombe si on vous livre jusque là-bas, mais je suis pas sûr. Les pizzas, c'est la voix des ondes qui les fait elle-même. Hein. Elle vient de me le dire là, à l'instant. Et ce soir, c'est des nems, ce qu'on a mangé. Alors, ce soir, c'était des nems. C'est pas mauvais non plus, ça. Voilà. Des nems, c'est tout. Ah, je devais prendre ça. Ça fait envie. Très bien. Bon, mais c'est bien tout ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre en fréquence là? Parce que je viens de voir là, sur le forum Rémi qui écrit, il y a que lui, il y a Jean-Marie. Ok, 100% QSL pour le centre de l'Angleterre. Ici, c'est le sud de la France. Sud-ouest. Sud-ouest de France, le département 33, la Gironde. Radio de 5, Santiago 5, 7, ça passe pas mal. Merci beaucoup, ici pour le département 33. Kelly, 59. 52, c'est très très bon, ne pas probablement lui. Excusez-moi, je le regrette, mon français ne pas fantastique pour lui que c'est. Ok, 100% QSL, merci pour le retour. Je vais faire tourner le micro, voir si les autres sont là. Est-ce que tu peux me revenir avec ton indicatif, s'il te plaît? Si je répète mon négatif, 26, 26, Whisky Romeo, World Radio, excusez-moi, Whisky Romeo 251, deuxième, 5 de 5e, une de première. Bien seul, mon ami? Ok, 100% QSL. Quel est ton QTH, m'a dit, le centre de l'Angleterre, le nom de la ville? Si, mon ami QSL, le village, la première city de l'Angleterre, Londres, deux cities de l'Angleterre, Birmingham, Bravo India, Romeo, Mike India, November, Golf Hotel, Alpha Mike. Second city of England is Birmingham, the real Birmingham, QSL.
Ok, Bellingham, c'est 100% QSL. Je vais faire tourner le micro, voir si les autres stations ici dans la région peuvent te copier. Le oui. Bonne 73 de 14 à 0,16, l'opérateur PD. Oui, vas-y. C'est le Station 3 Station from 14 Oscar Delta Romeo 860. This is the operator Ludovic from Bordeaux. Bordeaux, le département de la Gironde in France too. 7351 to you. I copy you very good from Bordeaux. Désolé pour les secousses, je remettais le pied. Apparemment non, il y a Thierry aussi. Ok, 113 de la station, c'est l'opérateur, je sais pas si j'ai bien compris, c'est Marc l'opérateur, voilà. 113 à toi, voilà, de l'opérateur Thierry, 14 Tango, Charlie 033, le sud-ouest France aussi, le sud-ouest France, la Gironde, j'espère qu'il entend, voilà, retour à lui, j'espère que je ne me suis pas trompé, c'est l'opérateur Marc, c'est ça? Ok, je reprends le micro. Et bonne 73-51 à vous, Marc, de Burningham, si j'ai bien compris, oui c'est ça, de 14-ODR-002, opérateur Rémi, QTH Saint-Émilion, Sud-Ouest France. Merci à vous. Là, on a fait le tour de toutes les stations là, qui vous entendent là, ici, là, sur le QSO de Sud-Ouest France. À moins qu'il y ait d'autres personnes qui veulent prendre le micro en avant.
Attention, Belphégor, est-ce que tu es toujours là? Ok, Eric, tu es toujours là? Ok, Dolu 33, toi qui as l'air de maîtriser l'anglais, vas-y. Ok, oui, oui, je suis toujours là, pas de soucis. 7351, Mark, very good. Easy to listen to you. Good signal. Your QRZ, merci beaucoup, au revoir, à bientôt, retour de l'U. Attends Rémi, avant qu'il parte. Attends Marc, avant de partir, c'est l'opérateur Thierry, voilà, c'est pour savoir, est-ce que tu peux nous donner tes conditions de trafic? Est-ce que tu peux nous donner tes conditions de trafic? Je ne sais pas si tu comprends. Voilà, moi je trafique avec Yazoo STX 1200 et une antenne verticale Unimax 2000. Voilà pour mes conditions de trafic. Vas-y, retour à toi le micro, Marc, pour voir si tu peux nous donner tes conditions de trafic. Oui, merci beaucoup, monsieur. Mon condition de trafic CRT LQ, Bravo 21 50. LQ, Bravo 2950 Foxtrot. Ici, en radio de France, ne pas prendre le microphone, tune supersonic ou antenne, tune élément horizontal Maxon. Merci beaucoup, mon ami. Les amis, au revoir, 250 Mark in England. Thank you very much, gentlemen. Au revoir. Ok, au revoir, merci beaucoup, bye bye. Eh bien les amis, ce petit passage, eh bien, pour le coup, il a été filmé, car là, ça méritait d'être marqué, quoi. Ah ouais, c'est sympa, hein. Ça fait plaisir d'avoir comme ça un petit coup de propaille avec une station qui nous trouve comme ça entre deux canaux. C'est super sympa. Ah oui, là, c'est incroyable, mais vrai, hein. Puis en plus, je ne réagissais pas là, pour relancer une nouvelle vidéo. C'est justement l'YL qui me dit filme. Eh ben oui, de suite. Ah bah oui, ça aurait été dommage, voilà. Bah, très bien. En plus, bah, ça passait vraiment top. Il y a eu des creux de propague là chez moi. Mais sinon, quand ça passait, le signal était super bon, hein, jusqu'à un peu plus de 9 à des moments sur certains passages. Hein, mais voilà. Eh ben, félicitations Thierry, je crois que c'est toi qui passe le plus fort, hein, voilà. Si on veut jouer à celui qui est la plus longue, c'est... Ouais, j'ai entendu. Ouais, mais lui, c'est... Attends, moi, il me recevait à 59 plus 10, mais oui, mais lui, c'est pareil, hein, il m'arrivait dans le rouge. Hein. Moi, de mon côté, il m'arrivait dans le rouge aussi, hein, ça passait fort. Hein. Voilà, ben ouais, c'est la propale, et quand ça veut, et quand ça veut bien donner, c'est impeccable. Hein. Là, j'entends les cartons, moi. Et je sais pas pourquoi, mais il y en a une qui a pouffé, là, d'un seul coup, là, en t'entendant, Ludovic. Ouais, ben elle est à côté, là, sur le canapé. Elle est pétée de rire. Elle en peut plus. Ça va pas aider à digérer les mêmes, ça. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Bon, ben c'est bien tout ça. Ça fait un petit peu de piment dans le QSO, voilà. J'espère qu'Eric aura pu
entendre un petit peu malgré les soucis de QRN, mais il répond pas du tout, donc j'ai l'impression qu'il a QRT complètement. Ouais, voilà. Bon, c'est sûr que si c'est inaudible, si c'est désagréable, je comprends aussi. Voilà. Bon, mais c'est bien tout ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai essayé de parler un peu anglais, oui. C'est très facile. C'est bon, j'ai essayé à mon niveau, quoi, voilà. Jeannot, tu crois s'endormir, Jeannot. Jeannot, à toi, t'es là? Ah, il y a toujours Eric, en tout cas, j'ai entendu. Ok, je peux reprendre. Ouais. Oui, voilà, le deuxième truc sur lequel tu m'as titillé aussi là hier soir, c'était tu as parlé de décamétrique avec écran à touche tactile. C'est bien ça? Attends, à qui tu parles là? Toi Thierry. Oui, j'ai parlé de décamétrique à touche tactile, oui. Pourquoi? Mais c'est Jeannot qui a un nouveau poste là. Il a dû partir, Jeannot. Là voilà, on a essayé à régler son poste là, parce qu'il a fait l'acquisition d'un ICOM 7300. Voilà, et comme il n'arrivait pas à le régler, à trouver la puissance, là cet après-midi on était parce qu'il ne trouvait pas pour comment changer, comment se mettre de l'USB pour passer à l'IMAX Sierra Bravo, il est resté une heure, voilà, bon, il a compris, c'est pour ça qu'il est venu nous voir. Je pense qu'il a dû partir, mais c'est pas évident, écran tactile, c'est pas évident. Ah oui, bah justement, tiens, ça aurait été l'occasion. Jeannot, à toi. Ça remonte, pas la Bretagne, ça remonte. Ah, voilà Eric, voilà je... Merde, Rémi, je pense que Jeannot, il a dû partir, hein. Alors ok, eh bien j'ai justement la YL qui vient de me montrer la photo là, du poste, comme quoi elle suit, elle n'est pas dans le QSO mais elle suit quand même. Et là voilà, j'ai la photo là, du poste là, que tu viens de me parler, là, celui-là là, de Jeannot là devant les yeux. Là. Alors le, voilà, ICOM 7300. Ah mais il est joli comme poste, oui, voilà, mais c'est écran tactile, ouais. Attends, je vais laisser... Ok, mais là j'ai un peu moins de parasites, je vous entends de mieux en mieux, donc c'est en train de descendre de mon côté pour s'arranger un petit peu, voilà. Et mais oui, donc retourne au micro, vas-y, Jolie. Hein. Ah, je crois que le bip que t'as entendu, c'était moi, je disais juste que c'était une belle bête, voilà, retour Thierry. Ah, ok, voilà, mais Eric, c'est dommage, je t'aurais pu parler à l'Angleterre, voilà, il y avait l'Angleterre avec nous, là, voilà, je sais pas si tu l'as entendu, toi, Eric, de ton côté, mais voilà, si tu avais vécu là, peut-être que tu l'as pas entendu. Ah si, je l'ai bien, très très bien entendu, je crois que après Ludo, c'était lui qui arrivait le plus fort. Ah, ok, ah, pourtant en Angleterre, c'est moi qui arrivais le plus fort. Oh là là, les petites anglaises, j'en ai l'entendre, oh là là, je suis content. En tout cas, pour l'anglais, pas mal, hein, le QSO francophone. Ah, si, trois coups. Non, mais il se débrouillait bien, en tout cas. Hein. C'est vrai qu'il a fait un sacré effort pour qu'on puisse le comprendre. Hein. QSO comme ça,
je contacterai Ludo, comme ça on se mettra sur une fréquence, et puis lui il me traduira, parce que moi l'anglais, je ne connais que dalle, voilà, comme une vache espagnole, comme on dit, voilà. Bon Ludo, demain j'ai beaucoup de cuissons à faire, là, alors tu te mettras sur la fréquence à partir de 4h du matin, voilà, parce que moi je commence à 4h du matin, et voilà, tu me traduiras ce qu'ils disent, et puis voilà, tu feras l'interprète. Ça va pas, non, c'est pas possible. Ou alors, 4h du matin, c'est à quoi être debout avant Rémi, disons. Rémi ? Oui, j'ai laissé parler justement, c'est pour ça que je reprenais pas. Oui, Eric ? Tu vois, qu'est-ce que tu me disais que Ludovic, il parlait italien, il parlait pas anglais, parce qu'il mangeait que des pizzas, alors qu'il parlait italien, tu vois qu'il parle anglais, là, je déconne. Ouais, mais après, tout dépend de ce qu'il a mangé juste avant, quoi. McDo. Eh ben voilà, mais il a mangé du McDo, donc forcément il avait parlé anglais ce soir. Non, mais c'est clair. Et les mojitos. Ah ouais, je parle un peu espagnol, mais alors ça fait longtemps. Trois mots, c'était à l'école, ça, donc. je parle plus facilement anglais. Tu sais parler portugais? Pas du tout, russe un petit peu sous la torture si tu veux. Mais non, je l'avoue, alors. Non, mais c'est bien, ça, c'est bien de savoir parler. Voilà, déjà, tu te débrouilles pas mal, voilà, c'est pas mal, voilà, voilà. Allez, c'est sûr, hein. Voilà, quand tu voilà, c'est bien, tu te fais comprendre déjà, mais voilà, comme toi, t'essaies à te faire comprendre. Marc, voilà, il parle pas trop français, mais il essaie à se faire comprendre. Voilà, c'est bien, moi j'aime bien les cuissons comme ça, tu vois. Moi je parle avec des personnes, mais voilà, ils parlent un petit peu français, moi ils essaient à parler français, voilà, on arrive à échanger quelques mots, mais bon, voilà, mais c'est ce qu'il faut faire, c'est ça le plaisir de la radio. Moi je parle avec des personnes, plaisir que j'en fais des cuissons, j'en fais de partout, voilà, mais bon, ils comprennent le français, donc ils essaient à s'exprimer en français, bon, mais des fois c'est pas toujours évident. De comprendre, et voilà, parce que le principe de la radio, c'est ça, c'est essayer à se faire comprendre. Mais déjà, quand on connaît, quand on sait parler une langue, comme toi, voilà, qui est anglais, c'est bien, voilà. On devrait tous le faire, ça. Voilà, au moins apprendre une langue, voilà. Déjà, l'anglais, c'est déjà, déjà, ça se parle partout dans le monde, voilà, ça apprendre au moins le minimum en anglais, comme ça, on peut se démerder. C'est sûr que ça ouvre des portes, mais je t'avoue que ça va être mon premier QSO en langue étrangère. Hein. Parce que c'est vrai que d'habitude, il y avait une fois aussi, on avait un autre anglais une fois qui était passé, de manière un petit peu plus ponctuelle, mais c'est vrai qu'habituellement, je fuis un petit peu parce que j'évite le trac. J'arrive bien à comprendre ce qui est dit. Je commence à avoir un petit peu de vocabulaire, mais sans plus, hein, mais voilà. Mais j'ai souvent le trac qui monte très très vite, surtout quand j'ai la personne en face de moi et je perds tous mes moyens. Enfin, c'est une vraie boucherie. Hein, donc voilà. Bon, bah, merci pour le compliment, en tout cas. Je le prends comme ça. mais en tout cas, non, 4h du matin, c'est hors de question. Là, hors de question. Ça, c'est pas possible. Enfin, bon, sinon. Ou alors 4h du matin et pour tenir compagnie à Rémi qui vient de se lever, voilà, mais c'est tout. Après, prendre une à 4h du matin, c'est un peu tôt, voilà, retour. Oui, non, mais t'as ma raison, hein, mais moi je dis que c'est bien, voilà, j'apprends pas trop, hein, toi dans mon cerveau, ça rentre pas trop, comme je dis, moi. Mais ouais, si je pouvais bien apprendre, ça serait bien, apprendre l'anglais, voilà, j'aimerais bien, parce que moi, tu vois, des contacts, je me mets sur les fréquences, il y a des amis qui y vont, je sais sur les fréquences où ils sont, ils parlent pas anglais, voilà, comme ils savent...
savent se démerder en anglais. Je peux te dire que moi je les écoute, ouais, et alors ils parlent de moi, ils savent que je suis derrière, t'as un écoute, alors j'essaie à dire deux, trois mots, le mec il comprend, parce qu'il y a quelques mots en français, ouais, voilà, bon, je salue tout le bordel, je salue, il me comprend, mais après, bon, voilà, moi je peux pas rester dans le QSO, pourquoi? Parce qu'il parle beaucoup en anglais, tu vois, voilà, mais c'est intéressant, voilà. L'anglais, ça se parle dans le monde entier. Mais voilà, c'est comme ça. J'ai mon pote de Saouès qui a Sao Paulo, c'est pareil. Bon, lui, quand il me parle, bon, il parle bien le français. Alors, il parle bien le français, mais autrement, quand je l'entends ailleurs sur d'autres fréquences, bon, c'est beaucoup en anglais. Il parle beaucoup en anglais, en portugais, là, ou en espagnol, là, je sais pas comment il parle, là. Bon, mais voilà, mais le plus, il parle en anglais. C'est vrai que c'est intéressant, c'est vrai que, bon, il y en a qui disent, ouais, c'est sûr qu'il n'y a pas grand monde sur la radio, mais c'est normal, nous, on est là, on parle que français, mais voilà, là, bon, comme il y en a qui disent, il n'y a pas de propague, il n'y a rien, la propague, il y en a, si t'écoutes, je peux dire que la radio, moi, mon poste, t'inquiète pas, moi, il est peut-être éteint en 24 heures, il est peut-être éteint, quoi, allez, une heure ou deux, même pas une heure ou deux, moi, il est tout le temps allumé, j'écoute, je fais beaucoup d'écoute, bon, mais quand je peux parler, je parle, parce que je vais sur notre fréquence, je reste pas là, hein. Bon, mais voilà, mais je peux te dire que, mais c'est beaucoup en anglais, il y a beaucoup, la langue en anglais, c'est là où ça se parle le plus, hein. Voilà, c'est bien, mais voilà, je dis bravo, moi, attends, hein. Là, c'est énorme, pas mal, tu vois, t'arrives à te faire comprendre, là, au moins, c'est bien. Non, mais c'est bien aussi à toi de faire aussi l'effort de sortir quelques mots, voilà, si tu maîtrises pas plus que ça la langue, bon, ben voilà, c'est une chose, mais si tu sors quelques mots, voilà, c'est bien, moi, ça fait une participation, puis l'intérêt de la radio aussi, c'est que, bon, les gens font l'effort aussi d'écouter, c'est pas comme quand t'es dans la rue à essayer de demander ton chemin, tout ça, tu tombes sur des gens qui sont pas forcément coopératifs, bon, sur la radio, on sait bien que voilà, qu'il y a des efforts à faire, parce que les conditions d'écoute sont pas toujours optimales, et puis il y a la maîtrise de la langue aussi, donc voilà, bon, on a l'avantage aussi sur la radio, c'est qu'on échange beaucoup de techniques, et il y a beaucoup de termes anglais qu'on utilise naturellement, voilà, ne serait-ce que le code Q par exemple, qui est international, donc ça peut aider à faciliter certaines choses. Le type en face, quand tu lui dis 73, bon, il comprend que tu n'as pas du mal, quoi. Donc voilà, c'est bien. Non, mais t'as raison, hein, au moins essayer de participer, de te manifester, et puis voilà, même avec quelques mots, ça fait toujours plaisir. Même une station qui t'échange que trois mots, bon, bah, au moins il y a eu le contact, il sait que voilà, qu'il y avait la propague, il y a moyen de discuter, tout ça, donc bon, c'est l'essentiel, voilà. Et t'en fais pas, le code Q, le coyote, il le connaît. Mais t'inquiète pas, c'est ce que j'allais lui dire. J'allais lui dire à Ludo, t'inquiète pas, le code Q, c'est international. Mais tu vois, j'attendais, je suis sûr que je m'en doutais qu'Eric allait répondre. Parce que moi, j'ai bien déconné là-dessus. Alors, mais ouais. Allez, retour à toi, Eric. Justement, j'ai Claudie qui vient de me dire qu'il est multilingue lui aussi, hein, mais qu'avec les YL. Qui le qui je vous la gueule. Ouais, c'est comme a dit Ludo, le code Q, c'est international. Alors là, je confirme, Ludo, c'est international. Oh, il est con. Il n'y a pas Christian derrière parce que il t'aurait dit le reste, lui. C'est ça? Heureusement qu'il n'y a pas la brebis derrière, parce qu'il t'aurait dit le reste. Putain, lui, il aurait dit en espagnol, en portugais, hein. Il aurait tout mis, ouais. Oh là là, ouais. Aïe, aïe, aïe. Attends, je me fais parler, quoi. Je rigole, j'ai mal au ventre. Vas-y, Rémi, prends le micro pour le con de cul. Ouais, apparemment, moi j'étais surmodulé. Il y a Claudie justement qui fait dire que lui il est multilingue, mais il pratique absolument toutes les langues, mais qu'avec les YL, c'est tout. Ouais,
c'est une langue fourrée. Ouais, ouais, voilà. T'as vu, je te le passe. Le code Q, quelqu'un a parlé du code Q. Le code, moi je l'oublie, moi je préfère le reste. Hein. Claudie. Tiens. Claudie, t'as rien qui te parle. Tu t'étais inscrit sur Volvo. Oui, ouais, affirmatif, mais comme je suis très rarement au QRA pour le moment, le PC, lui, reste au QRA. Donc, à un moment donné, on n'est pas compatibles tous les deux. Lui là-bas, moi ailleurs. je suis très doué dans certaines choses, mais dans la téléportation, non, pas encore. Ouais, ok, non, mais parce que comme j'y suis, moi aussi, sur Mobile, c'est pour ça. Ok. Sur Mobile, c'est quoi ton prénom?